soir. Parce que c'est ici en fait le thème des dépistages. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et qui est le mari de la femme de l'État? C'est moi, docteur. Ah, c'est vous? Ok, mais franchement, prenez courage, hein. Soyez fort, soyez patient. Ok? Non, pas de problème, soyez patient, soyez fort, prenez courage, ok? Hein? Vous êtes un homme, non? Vous êtes un homme, soyez patient, ok? Monsieur, vous m'avez compris? Mon frère, moi-même, c'est ma femme qui m'a répété depuis ça, moi, je ne t'en occupe pas. Hein. J'ai dit au moins vous laissez. Hein? Laisse des dépistages là. C'est chaque jour en fait. Donc vous pouvez venir faire ça demain. Pas aujourd'hui. Non, en fait, aujourd'hui, la comme ici, les gars, mon père, un peu calme. Je suis sûr qu'il n'y a pas de bonne nouvelle derrière la maison. Donc il y a un peu là-bas pour vérifier. Ah bon? Teste-le. Vous pouvez venir faire ça demain. Ok, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Je savais. Tous mes parents m'ont dit, femme la faut laisser. J'ai dit oh. J'ai dit femme la faut laisser. J'ai dit oh. Voilà ça maintenant. Eh, Antibali. Je me mets où les maïra bali là. Ils sont dans l'agneau ça. Hein? On me parle. Je suis enfant. Tout le monde dit laisse. J'ai dit non, je ne veux pas. Tout le monde dit laisse. Elle est assise là maintenant. Ça là, c'est pas pour me créer pour ça là. Eh Seigneur. Quand t'es enfant, t'es pas, il faut goûter, Ah, bien voilà. Ça, la mort n'est pas mieux. Viens me suicider. Monsieur, oui, donc, vous avez quel problème? Vous remontez comme ça depuis le bureau, je vous entends. C'est qui tu m'as dit, là, docteur? Comment il n'a pas me lamenter? Je vous ai dit quoi? Tu as dit de prendre courage. Je ne peux pas prendre courage de cela, docteur. Comment ça? Vraiment, c'est difficile. Difficile comment? Non, mais attendez, votre femme, son test de dépistage, c'est bien, c'est bien passé. Mais la nouvelle que je pourrais vous donner, c'est juste vous dire qu'actuellement, elle a un bébé de vous. Elle est enceinte de 3 mois. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah, mais monsieur, arrêtez ça. Docteur. Non, arrêtez ça. Ah, donc elle a accouché. Hein? Non, elle n'a pas accouché. Mais elle est enceinte de 3 mois. Ah, elle est enceinte de 3 mois. Ah, donc elle n'a pas sida. Non, elle n'a pas sida, mais je vous ai pas dit qu'elle a le sida. Ah. Mais écoutez, monsieur. Oh, et mon esprit est venu sur moi comme ça, docteur. Oh, mais tu voulais me tuer. Et docteur aussi, tu voulais me tuer. Je dis la dernière. Ah, vraiment. Quand vous venez accompagner. Mon âme est revenue maintenant. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Vous venez accompagner un patient. Hein? Restez tranquille. Ah. Essayez de comprendre ce qu'on vous dit avant de vous lamenter. Mais c'est pas normal, c'est pas un bon problème. Ah, non, c'est vrai, tu as raison, docteur. Hein? La prochaine fois, plus jamais encore. Hein. D'accord. Sinon, vraiment, mes félicitations, monsieur. Non, merci. Hein? Non, moi, c'est un garçon pile. Moi, c'est un gourou. Hein. Ah. Il est flanqué dedans. Oh, non, docteur. Ah, l'enfant, il se porte bien, non? Non, il se porte bien. Ah, Dieu merci. Tout va m'éveiller. Dieu merci. Docteur, coupez mon cœur comme ça. Non, t'inquiète pas. Ah, vraiment. Bon, après, tu passes au bureau. Et puis, bon, tu prends la lettre de monsieur. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, docteur. Docteur, s'il est venu comme ça. Non, docteur, merci. Il faut me créer comme ça. Ça m'a dit la parole français. Non, depuis aussi, vous savez que normalement, personne n'est venu là. Même si vous ne devez la soutenir, c'est n'importe quoi. Ma femme, je l'aime. Ça, c'est le diable qui fait le monde.